Yo la pote. C'est en Europe centrale, à quelques 2 heures de vol de la France, en Hongrie, que je vous emmène cette semaine. La Hongrie qui reste une destination très en vogue, et particulièrement Budapest, la perle du Danube qu'on traverse en ce moment, capitale au patrimoine exceptionnel, marquée par les guerres, par le communisme, mais qui a su se réinventer sans pour autant renier leurs traditions. Voilà, soyez les bienvenus dans mes belles échappées hongroises. La Hongrie, c'est un petit pays qui voit les choses en grand. C'est parti, la quatrième, tu as envie de sensations. Hein. Freinage dangereux. Je vous emmènerai tout d'abord à la découverte de Budapest, la capitale, avec une visite très privée du Parlement, le plus grand monument de Hongrie. C'est tenté par les touristes aussi. Somptueux. Ouais. Je plongerai ensuite dans la culture hongroise, ce pays d'Europe centrale très marqué par son histoire. Ça fait du bien de sentir tout le poids de cette tenue. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Voilà. Mais on a quand même les trois couleurs du drapeau hongrois. Une destination qui va vous surprendre, attachée à ses traditions, elle a inspiré les plus grands inventeurs de ce siècle. Vous devez trouver des solutions pratiques. Un pays en perpétuelle évolution, plein d'énergie, à découvrir ou à redécouvrir. On s'en concentre, on vous écoute pas. Merci beaucoup, bonne journée. Yo la pote. Je vais m'installer tranquillement et j'ai un camarade qui va venir me chercher qui s'appelle Peter. Salut Peter. Salut Jérôme. Salut. Comment ça va? Super bien, très content d'être là. Super, t'es bien installé. Ouais, t'as vu ce lieu incroyable. Ouais, tu connaissais? Oui, je suis déjà venu une fois ici. Ouais, bon. Bah, pour aujourd'hui, j'ai fait un petit programme pour toi. Un petit programme? Visiter la ville. Ah bah super. Ce n'est pas par hasard, Jérôme, que je t'ai amené ici. Ah bon? C'est la place Hiro, la place de la nation. Oh, ça me touche. Merci. C'est plutôt les personnages héroïques de la nation hongroise. De l'histoire. De l'histoire du peuple hongrois, l'histoire de Budapest aussi, bien sûr. Mm-hmm. Budapest, deux villes indépendantes. Ah oui, Buda et Pest. Exactement, d'accord. Buda et Pest. Pest, avec la prononciation hongroise. D'accord. Des deux villes bien différentes. Qui étaient séparées par le Danube. Par le Danube, et qui se sont unifiées. Et depuis 150 ans, c'est la capitale de la Hongrie, c'est Budapest. Ok. Alors j'aimerais que tu me présentes ta ville comme si je ne la connaissais pas. Qu'est-ce que tu dirais? Comment tu la qualifierais, cette ville de Budapest? Actuellement, Budapest, c'est une ville qui est de plus en plus ouverte au monde, qu'on aime bien, nous les Budapestois, donc on aime vivre ici. Ouais. Et on se sent un peu gâté dans cette ville. Ah, si on décide d'aller au théâtre, on peut décider le matin pour aller le soir. Ouais. C'est déjà pas mal. C'est une ville qui reprend sa splendeur. Ouais. Et c'est un centre culturel, économique, donc on peut faire ce qu'on veut. Ici, ça a été rénové ou reconstruit après la Deuxième Guerre mondiale parce que la ville était pratiquement entièrement rasée, entièrement bombardée. Surtout la partie Pest ? Non, tous les deux côtés. Les deux côtés surtout aussi. La partie Buda où on va parce que dans le château en face, c'était le centre de gouvernement. Alors ça, c'est le funiculaire qu'on va prendre. Exactement, le deuxième funiculaire construit au monde, construit déjà dans le 19e siècle. En fait, à Budapest, ce que tu vois et ce qui est intéressant en général ont été tous construits dans le 19e siècle. Donc les Habsbourg. Les Habsbourg, voilà, c'est les Autrichiens, c'est ça, d'accord. Et voilà, la vue. Ouais, la vue, oui. La vue. D'ici, on voit le Parlement aussi. Oh, là, c'est magnifique. Magnifique. C'est le plus grand bâtiment de la Hongrie. D'ici, on voit à 20 km à peu près, même les collines qui sont derrière Pest. Mais on peut dire en gros que Pest, c'est sur la plaine hongroise. Donc on voit que c'est tout plat. Et toute la partie Buda, elle est sur cette colline. Oui, ça s'appelle la colline de Buda. Ça fait un massif. C'est beau, hein? Ouais, c'est très, très beau. Et puis surtout, ce qui frappe, c'est ce fleuve, ce Danube au milieu, qui est le sang qui coule dans les veines de Budapest. Oui, exactement. Hein? Exactement.
Dans la capitale hongroise, le soleil se lève à Pest. Pour immortaliser ce moment, Marc a pris l'habitude de s'installer en face, sur les hauteurs de Buda, juste au-dessus du Danube. Régulièrement, je sors prendre des photos de lever de soleil. J'essaie de trouver les plus belles lumières, mais c'est très difficile parce que les levers de soleil ne sont pas toujours aussi jolis qu'aujourd'hui. Il n'y a pas que moi qui arpente ce côté de la ville pour prendre des photos. On sait bien que les plus beaux bâtiments de Budapest se trouvent tous au bord du Danube. À force d'arpenter ces berges, Marc s'est aperçu que certains matins, lorsque la surface de l'eau est calme, le fleuve se transforme en un miroir géant, reflétant les moindres détails des ponts et des monuments. Le problème, c'est que ça devient très difficile de prendre de belles photos. Les premiers bateaux sont déjà passés et ils ont fendu la surface de l'eau. Le Danube n'est plus lisse. Il faudra attendre demain matin pour retrouver un fleuve lisse, retrouver cet effet miroir. À partir de 7h30, le Danube n'est plus un long fleuve tranquille. Chaque jour, des dizaines de milliers d'habitants franchissent les 300 mètres qui séparent les deux rives. Au 19e siècle, la construction de ces ponts modernes a changé la vie des habitants et le visage de la ville. Ils sont devenus l'un des emblèmes de Budapest. Janos connaît bien l'histoire de ces monuments. Entre lui et le fleuve, c'est une histoire de famille. Ça, c'est une belle photo de mon arrière-grand-père. C'est mon grand-père qui me l'a donnée. Il était batelier sur le Danube. Il naviguait sur tout le fleuve. C'était son travail. Et il habitait avec sa famille sur le bateau. En blanc, là, c'est mon grand-père. Il m'a raconté que sur son acte de naissance, ce n'est pas écrit un nom de ville ou le nom d'un arrondissement, mais le kilomètre sur le Danube où il est né. C'est la tradition quand on est sur le fleuve. Devenu adulte, le grand-père devient gardien de pont à Budapest. Un métier qu'il transmet à son fils, puis à son petit-fils. Depuis 12 ans, Janos est gardien du plus célèbre pont de la ville. Moi, ça me rend fier. Il n'y a pas beaucoup de jeunes gens qui peuvent dire que leur père leur a laissé en héritage le plus beau pont du monde. Ce monument, c'est le pont des Chênes, le premier pont permanent de la capitale hongroise. Un doyen âgé de 167 ans et qui, à ce titre, est l'objet de toutes les attentions. Par exemple, ça c'est un trou qui peut être très dangereux. Un piéton ou un cycliste pourrait se blesser ici. La voirie viendra le réparer aujourd'hui ou demain. Je l'aurais déjà signalé. Deux fois par jour, Janos parcourt les 760 mètres aller-retour du géant. Été comme hiver, il a un œil sur le pont, un autre sur le Danube. Si je regarde au-dessus des piles du pont et que je vois les tourbillons, je vois la dangerosité du fleuve. Moi, je ne le considère pas comme un fleuve dangereux. Je trouve qu'il est calme, équilibré. Peut-être parce que je l'ai toujours vu. Je le considère un peu comme ma maison. Un peu plus au nord, près de l'île Margaret, les membres du club Danubius arpentent aussi le fleuve quasiment tous les jours. Mais pour eux, c'est un loisir et le Danube un formidable terrain de jeu. C'est génial. En fait, vous êtes en plein centre-ville, mais en même temps, vous êtes complètement en dehors de la ville, loin de la foule, du bourdonnement. Vous êtes toute seule dans le bateau, parfois avec un équipier ou plusieurs équipiers. Mais tout le monde est concentré sur le fleuve, sur le mouvement, et vous avez vraiment l'impression d'être perdu dans la nature. C'est fantastique.
Si Budapest mérite pleinement son surnom de perle du Danube, la capitale hongroise le doit en grande partie à son superbe écrin. Ça, c'est du tramway, hein? Ouais. Ah ouais, c'est un tram old school, hein? Ouais. Dans le vintage, comme on dit. Exactement. Dans son jus, il est de quelle époque? C'est les années 60. Cette ligne de tram est si célèbre, c'est parce qu'on peut voir des beaux monuments, ouais, qui sont sur la liste de l'UNESCO. Donc voilà le Palais Royal, à côté la résidence présidentielle. Si tu veux visiter Budapest, le premier jour, il faut prendre le tram, ouais, et puis se faire un petit tour. Ouais. Et voilà, enfin, ce parlement gigantesque. Ouais. C'est incroyable. C'est insensé. Le parlement. Insensé. On dirait un petit peu, tu sais, le palais de Westminster à Londres. La chambre. D'après le style architectural, c'est le même. C'est gothique, néo-gothique. D'accord. C'est ça. Et c'est la place de la République, entre guillemets, où on est maintenant, la place Kossuth, qui est la place de manifestation. Il faut qu'on trouve une petite place pour nous. Ouais, il y a du monde, dis donc. Ouais. C'est le monument le plus de la ville, oui. Oh, il est fréquenté par les touristes aussi. Somptueux. Hein. Ouais, la grande salle du Parlement. C'est des dorures et des dorures partout. Mmh. Hein. Ça fait 45 kilos d'or. Dans tout le bâtiment, oui. C'est ça. Et là, on est vraiment dans la salle d'entrée et la salle de la coupole aussi. On se croirait quasiment dans un palais, dans un château, quoi. Hein? Oui, c'est comme un château. Ah oui, c'est un vrai château. Bah, À l'époque, ils l'ont construit comme un château, un peu comme une grande église, comme une cathédrale. Oui, bah regarde. Le style, voilà. C'est gothique. Coup, C'est la salle de la couronne royale, qui est l'instrument le plus important, bien sûr. Donc sans cette couronne, ouais, il était impossible de couronner un roi. Hongrie. Qui a été le dernier roi couronné en Hongrie? Petite quiz. Le dernier roi, il s'appelle Charles IV pour les Hongrois. Mais après la Première Guerre mondiale, la Hongrie n'a plus de roi, mais reste une royaume. Viens, Jérôme, je te montre quelque chose qui est encore plus secrète. Je suis pas sûr que tu aies le droit de faire ça. Hein. Ne t'inquiète pas. Je vais te montrer la coulisse. T'as le droit d'aller là? Oui, oui, ben, on a le droit, mais c'est vraiment insolite. Ouais. D'accord. Viens avec moi. Je te montre la coulisse du Parlement. T'as le droit d'aller là, c'est génial. Mais voilà, hop, c'est le couloir des députés. Donc ici, il n'y a pas de touristes, il n'y a personne, il n'y a que des députés. Voilà un député. Un bâtiment symétrique, donc il y a un autre couloir similaire, mais ce couloir est utilisé uniquement par les députés. D'accord, c'est là qu'il se retrouve. Ouais. Le tapis, par exemple, que tu vois en bas, c'est le plus grand tapis en Hongrie, qui a été cousu à la main. C'est incroyable. Et voilà, c'est la bibliothèque. La bibliothèque du Parlement, bien sûr. C'est l'endroit le moins touristique, ouais, du Parlement. Là, on voit, il y a pas mal de gens. Ils sont tous soit députés, soit employés du Parlement. D'accord. Et bien sûr, il y a des écoliers aussi. Des étudiants. C'est ça. Ce Parlement, ce lieu, cette bibliothèque... Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans cet endroit, toi? Donc c'est un endroit public, c'est un endroit mixte. Ça représente la mixité des gens, la possibilité de se mettre à côté d'un député. On est très proche de la vie politique. On est très proche des grandes décisions, ouais, des députés. Ouais. Et c'est ce que j'aime bien au Parlement. Et c'est ce que j'appelle la mixité hongroise. C'est un endroit qui représente bien la Hongrie, les Hongrois, l'esprit des Hongrois et toute la Hongrie aussi. Ouais. On va aller dans les bains, mais pas dans le Danube. Hein. Non, pas non, sur non. Moi. Il est interdit de se baigner dans le Danube. Et ouais, en plus, je pense que le Danube est très froid aussi. Oui. Tant mieux d'aller dans les bains, qui est plus chaud, et où on peut choisir les différentes températures. Très bien. Bon, on va prendre du bien chaud, alors. Ouais, hein. Yo la pote. Kete yoyot keret. Kassanam. Kassanam. Il a compris, hein, immédiatement. Ah, je suis reçu. Super.
Oh, il fait froid là. Ouais, il fait quoi, 5, 6, 7 degrés, ouais. Mais en hiver, il fait moins 10 degrés aussi. Et l'eau est à combien? L'eau est à 35 ici. Parfait. Là-bas, 26, c'est un bassin nagé. Et le troisième, où il y a des joueurs aux échecs, c'est 30, 38. Ah. Bah, celui est incroyable quand même. Hein. C'est le plus connu des bains ici à Budapest. Celui-ci. Je pense que c'est le plus populaire, ouais. C'est le plus connu et c'est le plus grand aussi. C'est le plus populaire. Il y a combien de bains comme celui-ci Une quinzaine à peu près à Budapest, dont 5-6 sont vraiment populaires. D'accord, donc c'est un véritable art de vivre ici, c'est pas juste une distraction, c'est quelque chose d'important dans votre quotidien. Non, on dit souvent que Budapest c'est une capitale balnéaire aussi. Oui. C'est vrai qu'à part la culture, à part la vie sociale, il y a beaucoup de bains en Hongrie et à Budapest. Cette culture des bains, elle vient de quoi? Des Romains, des Turcs, de qui? Déjà des Romains. Avant, c'était une ville romaine. D'accord. Et après, c'est les Turcs au Moyen-Âge qui ont réinstallé cette culture. Maintenant, c'est les Autrichiens. Ouais, tu vois? Les échecs, c'est typique en Hongrie. Il y a des grands joueurs qui sont qualifiés dans les premiers 10, premiers 20 au monde. Moi, j'ai joué le fou en C3 pour lui prendre sa tour. Hein? Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Ils sont concentrés, ils écoutent pas. Bonne partie, messieurs. Bonne partie. Les plus beaux bains de Budapest ont été construits au début du XXe siècle. Mais l'histoire des sources d'eau chaude en Hongrie est bien plus ancienne. Au début de notre ère, les Romains s'y baignaient déjà. Mais ce sont surtout les Ottomans, maîtres du pays pendant 150 ans, qui ont développé l'art du bain. C'est la source Gulbaba. Le sous-sol de la capitale hongroise compte plus d'une centaine de sources d'eau chaude. C'est la bénédiction du destin. Contrairement aux pays arabes, où l'on creuse et le pétrole jaillit, chez nous, partout où l'on creuse, on trouve de l'eau thermale. Situé au bord du Danube, le bain Gellert est lui aussi construit sur sa propre source. Le bâtiment, terminé en 1918, est caractéristique du style Art Nouveau. Tout n'est que marbre, mosaïque et volupté. Au sous-sol, changement de décor. C'est le temple du tuyau. Le poste de pilotage du bain. L'eau arrive de la source à 42 degrés, un peu trop chaud. Le thermomètre nous indique la température. Ici, c'est la piscine à 35 degrés. L'autre, le bassin à 38 degrés. Je regarde le thermomètre et en même temps, je mélange l'eau chaude ici et l'eau froide là, jusqu'à obtenir la bonne température. L'eau est tellement abondante que les bassins sont vidés tous les jours. Je fais des services de 24 heures et ensuite j'ai 3 jours de libre, donc je peux aller barboter avec les autres. Les bains attirant sans cesse plus de touristes, les prix d'entrée ont augmenté. Pour garder une clientèle hongroise, la plupart des établissements ont mis en place des formules d'abonnement avantageuses. En Hongrie, aller au bain fait partie de la culture locale. On vient tous les 15 jours environ, si on est disponible. Mais s'il ne fait pas beau, c'est sûr qu'on va venir. Ici, on vient chercher le repos, la santé, la détente. C'est tout à fait différent que d'aller à la plage ou à la piscine. En plus, c'est de l'eau thermale. Riche en minéraux, calcium, magnésium, les eaux thermales de Budapest sont réputées dans le traitement des maladies rhumatismales. La sécurité sociale hongroise prend même en charge certaines cures. Bonjour, je m'appelle Livia, je suis votre masseuse. Venez avec moi. Livia fait partie des 113 employés du bain Gellert. Les soins qu'elle prodigue ne sont pas remboursés, mais elle contribue aussi à sa façon au bien-être des visiteurs. J'aime beaucoup mon travail. Le massage apporte calme et repos. C'est à la fois bon pour le corps, mais aussi pour l'âme. Une incarnation du calme et de la volupté.
Pourtant, une fois par semaine, les bains se rebellent. Ce samedi soir, c'est le bain Lukács qui opère sa mue au milieu des derniers baigneurs. Bar, sono, lumière, les techniciens s'affairent. Tu vois le miroir sur le rebord de la fenêtre ? Ouais. Le projecteur envoie la lumière sur ce miroir qui va le réfléchir dans toutes les directions. Les spartis sont le dernier phénomène à la mode à Budapest. Le concept est simple, transformer les bains en boîte de nuit. On doit commencer à préparer pendant la journée, lorsque les gens sont encore là, à se baigner normalement. À partir de là, ça nous prend plus de 7 heures pour mettre en place le décor d'une spartie. On doit transformer tout le bain, changer son identité visuelle, ajouter des lumières, préparer le spectacle pour les invités. À 23 heures, la jeunesse de toute l'Europe se donne rendez-vous pour découvrir l'art du bain, largement revisité. Avec 500 personnes ce soir, pour les organisateurs, la sécurité est la priorité. Il faut faire attention que les gens n'aillent pas dans l'eau avec des verres, qu'ils ne cassent rien dans l'eau. Je vérifie aussi que personne ne s'endorme complètement sous dans l'eau. C'est ce qui est le plus dangereux. La clé du succès, permettre à des jeunes gens de se trémousser en maillot de bain, même quand la température extérieure est inférieure à 10 degrés. Ici, ils peuvent faire plein de rencontres, se détendre, s'amuser. Je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. Si vous regardez autour de vous, vous pouvez voir des visages heureux, des sourires. C'est pour ça que c'est un tel succès. Demain matin, le bassin sera vidé. Le bain retrouvera alors un visage beaucoup plus sage. C'est sympa ce petit marché là. Ouais, c'est vraiment, l'endroit où tu viens systématiquement. Oui, je fais partie de ces gens qui aiment bien flâner ici. C'est un endroit sympa, tu sais, le dimanche matin, tu viens ici rencontrer tes amis, prendre un café, acheter de bons légumes. Par exemple, ce stand ne propose que des produits de qualité bio, du miel de grande qualité ainsi que des confitures. Quand tu fais ton émission, tu viens aussi, tu es filmé aussi dans le marché. Ouais, ah, d'accord, ouais, ok. Donc tout le monde te connaît parfaitement ici. Alors aujourd'hui, je vais vous révéler la recette que toute maîtresse de maison doit connaître, le crumble aux pommes. Sais-tu que le paprika vient à l'origine des Turcs? Et avant cela, il n'y avait pas du tout de paprika ici. Les Hongrois ont mis 200 ans pour vraiment commencer à l'utiliser en cuisinant, alors qu'avant, le paprika était utilisé comme plante médicinale, car cette épice est très bonne pour la santé, comme pour soigner un rhume, et c'est devenu une épice très populaire pour cuisiner. D'accord. Celui-ci est fabriqué par des mamies qui le pilent à la main. Le soir, elles ont si mal qu'elles doivent laisser tremper leurs mains dans l'eau pour les soulager un peu. Tu vois, vous n'avez pas ça en France. On ne peut pas vous concurrencer sur le fromage et le beurre, mais le paprika. Vous avez vos atouts aussi. Est-ce que tu sais que nous avons de très bonnes truffes en Hongrie? Ah non. Si, si, en ce moment, beaucoup de chefs français les achètent un an à l'avance. Ils les réservent bien avant la récolte. Hein. Okay. Et c'est vrai qu'elles sont très très bonnes. C'est du beurre de truffe. Hein. Ah. Et voici mon meilleur ami pour trouver des trucs. Merci et à très bientôt. Alors depuis combien de temps tu es une passionnée de cuisine, toi ? Je cuisine depuis mon enfance. Ça a commencé à l'âge de 6 ans et après j'ai voyagé dans le monde entier avec mes parents qui étaient diplomates. J'ai vécu 5 ans à Prague, puis en Allemagne. J'ai aussi étudié à New York, puis vécu à Bruxelles pour devenir diplomate. Tu étais toi-même diplomate? Et pendant 5 ans, j'ai été diplomate. Mais après quelques années, j'ai dû prendre une décision. Cuisiner ou être diplomate? Et j'ai décidé d'être chef cuisinier.
Oh, joli. Ça klaxonne par là-bas. Donc là, on va cuisiner à l'endroit où tu enregistres tes émissions ? Oui, oui, on va cuisiner, mais ce n'est pas le studio où j'enregistre mes émissions. C'est mon appartement et donc c'est vraiment un privilège. Je n'ai jamais fait ça. C'est vrai ? Oh. Voilà, ça c'est ma cuisine. C'est excellent. On rentre dans l'appartement, la première pièce, c'est pas un hasard, c'est la cuisine. La pièce la plus importante de mon appartement. Ah, c'est génial. Oui, ça sent les épices, ça sent bon. Hein. Alors, c'est un goulash aux champignons. J'ai envie de te montrer ce plat-là qui n'a besoin que de 10 minutes et il est aussi typique. Hein. Mmh. D'accord. Le plus important, bien sûr, c'est le paprika. Ah. Voici maintenant le secret. Ne regardez pas, n'écoutez pas, oui. C'est le réel secret que juste les grand-mères hongroises te confient, donc ne le dis à personne. Tu dois toujours enlever la casserole de la plaque avant d'ajouter le paprika, car sinon le goût devient amer à cause de la chaleur. Ah, d'accord. Ah oui, t'en as beaucoup. Ah, beaucoup. Mes deux grand-mères cuisinent très bien et m'ont appris le style rustique et authentique de la cuisine hongroise. Mais c'est essentiellement mon père qui m'a appris à cuisiner et il cuisine toujours aussi bien. Voilà. D'accord. Et une cuillère de crème fraîche. Une petite quenelle. Quenelle. C'est joli. Mmh. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Voilà. Mais on a quand même les trois couleurs du drapeau hongrois. Le vert, le rouge et le blanc. Ah, c'est vrai. Je pensais qu'on ne sentirait pas le paprika avec l'ail dessous. Et on le sent bien. J'ai un cadeau pour toi. Merci. Mon livre en anglais. Merci beaucoup. Merci. Il faut bien préciser que le titre est en anglais. Yes. Merci beaucoup. Tu es pleine d'imagination. Tu es une vraie créatrice. Bon, mais pour autant, je vais quand même finir ça. La Hongrie compte à peine 10 millions d'habitants, mais le pays s'enorgueillit d'un nombre important de prix Nobel et d'inventeurs. L'hélicoptère, la vitamine C, le stylo bille ou encore l'appareil photo ont tous été découverts par des enfants du pays. Cet homme qui les observe fait aussi partie de ces génies. Son invention a rendu son nom mondialement célèbre. En 1974, Erno Rubik crée un jeu révolutionnaire. Aujourd'hui professeur de design, il a une explication à l'inventivité des Hongrois. Je crois que la créativité augmente quand on s'aperçoit que c'est quelque chose de nécessaire. La Hongrie a eu une histoire chaotique. Quand vous avez beaucoup de problèmes, que les temps sont, comment dire, difficiles, vous devez résoudre ces problèmes. Vous devez trouver des solutions pratiques. Vous devez penser et vous devez agir. Aujourd'hui, la vie en Hongrie est bien meilleure qu'au siècle dernier. Mais la tradition d'inventivité est restée. Pour la trouver, il faut pousser les portes d'écoles d'ingénieurs ou, comme ici, de design. Ces étudiants, en troisième année, ont pour mission de repenser les meubles pour enfants. Chaque étudiant présente son objet devant le reste de la classe. Le but, l'améliorer. Akos, lui, a choisi de travailler sur une table allongée. Mais pour l'instant, tout n'est pas parfait. Le problème, c'est que je n'arrive pas à fixer le matelas. Il glisse. Il y a encore du travail. Je dois vraiment trouver une solution. S'il te plaît, Reka, passe-nous cette bouteille vide. Ah, c'est pas bon. Debout, elle ne tient pas. Et en la couchant ? Ah oui, comme ça, elle rentre. Les critiques pour Akos, c'est toujours constructif. Aussitôt après le cours, il descend à l'atelier améliorer son prototype. Pour lui, la clé de l'inventivité, c'est l'observation. J'ai interrogé des mamans. J'ai moi-même changé des couches. Un de mes cousins a un bébé de 6 mois, avec qui j'ai pu faire des tests. J'en ai fait beaucoup avec lui.
Et grâce à tout ça, j'en ai tiré des conclusions pour mon meuble. Observer le quotidien pour l'améliorer. C'est aussi la démarche de Dinesh. Il est étudiant dans la même école en dernière année. Dans les rues de Budapest, le jeune homme n'attire pas particulièrement l'attention, sauf lorsqu'il sort sa curieuse invention. L'idée m'est venue le jour de l'anniversaire d'un ami. On voulait lui faire une surprise. On voulait remplir sa chambre de ballons. On en a gonflé des centaines avec des inscriptions dessus. Et en les gonflant, j'ai remarqué que les inscriptions grossissaient. J'ai vu les dessins s'agrandir et c'est ça qui m'a donné l'idée. Un ballon peut contenir des informations, on peut s'en servir de support. Dégonfler, c'est tout petit et quand on appuie, on voit les détails. Même si l'on est encore loin des plus célèbres inventions hongroises, disquettes, transformateurs, télévisions couleur, peut-être qu'un jour les plans en trois dimensions auront remplacé les plans papier. Bonjour Jérôme, nous sommes ravis de te recevoir. Bonjour Julien. Allô. Ravi d'être là. Quel bel endroit. Bonjour Jérôme. Voici ma fille. Et mes chats. Allô. Jula, Julia. Et mon fils. Deux Jula, c'est facile pour le prix d'un. Très bien. Ma famille préserve ce métier depuis 1870. Il se transmet de père en fils. Tu dois pas être mauvais en pâtisserie aussi, toi. Une fois, j'ai essayé, mais ça ne m'a pas réussi. Mon grand-père a découvert l'histoire de la fabrication des chapeaux en 1925. Ce texte se trouve sur le mur, juste ici. Nous sommes vraiment fiers de cette tradition familiale. Il est de notre devoir de la faire perdurer. Voici l'ancêtre du chapeau Suveig. Il avait cette forme autrefois, et un jour ses contours se sont décollés. Le berger qui le portait a constaté que le chapeau, comme ça, le protégeait mieux du soleil. Celui-là est le chapeau préféré des bergers. Je suis fait berger de mouton. Il est un peu grand car il descend jusqu'à tes oreilles. Hello. Vishlat. Oui, prends soin de toi. Merci beaucoup. Vishlat, Jula. Au revoir. Merci encore. C'est pas si plat que ça la steppe, hein? Yanoche, comment je te rejoins? D'accord, ça marche. J'ai rien fait. Y'en a pas de Yanoche. Ravi de faire ta connaissance. Ça se mérite de venir jusqu'à toi, hein, parce que la boue ici, ça marche bien. Hein. Oui, le temps n'est pas bon en cette période de l'année. Il y a beaucoup de vent et il pleut. Du coup, on patauge dans la gadoue. C'est la campagne. Bon, et puis Yanoche, il y a Jula qui m'a remis ça pour toi ou ton papa. Tu vas lui donner toi-même. Le voilà qui arrive. Ah, le voilà. Il y en a pas. Ravi de faire ta connaissance. Ça va bien. J'ai le nouveau modèle. Tiens, papa, Jérôme t'a rapporté ton nouveau chapeau. Ah oui, j'ai bien vu. Merci beaucoup, Jérôme. C'est parfait. Je t'en prie. Voyons-y,
Merci beaucoup pour le chapeau, mais je ne vous accompagne pas. Bon, à tout à l'heure alors. On se retrouve tout à l'heure. Ça marche, je comprends. Comment s'appelle cette race ? Maya Surke. On dirait que ce sont des zébus, enfin, sont très impressionnantes les cornes. Hein. C'est une des caractéristiques de l'espèce. Leurs cornes s'étendent vers l'extérieur. Et ce qui est étonnant, c'est que personne ne sait réellement si ces vaches sont arrivées ici, avec nos ancêtres, vers l'an 900, ou si elles ont toujours été dans le bassin des Carpates. Il y a même des chevaux, dis donc. Tu sais, je suis né dans cette tradition familiale. Mon père et mon grand-père faisaient aussi la même chose. Et pour moi, ce mode de vie était une évidence. J'ai parfois des problèmes comme tout le monde. Mais j'essaye de vivre des jours heureux et positifs. Ça va, Yanoche? Ça se passe bien? Ouais. Elles sont belles, les vaches, hein? Oh! Superbe! C'est la tenue traditionnelle, pour les jours fériés et les jours spéciaux. Dans la vie quotidienne, je ne l'utilise pas, ça coûte un peu cher. Ça doit plaire aux femmes, ça, non? Un peu. Bon, moi, je vais devoir vous quitter, parce que j'ai de la route à faire. Je vais vous remercier. Que ce nom? Au revoir, Jérôme. Merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. En Hongrie, de nombreuses traditions sont encore vivantes, comme la danse folklorique. De plus en plus de jeunes s'y mettent et font vivre cet héritage. Ce type de danse est important dans ma vie. Ça m'apporte beaucoup. Je me sens en osmose artistiquement et musicalement. Bien sûr, comme les gens de mon âge, je pourrais aller en boîte de nuit. D'ailleurs, j'y vais de temps en temps. Mais c'est ici que je me sens bien, avec la danse folklorique. Ce bar fait partie de cette nouvelle génération de cafés dansants où l'on peut se défouler sur de la musique traditionnelle jouée en live. Autre acteur majeur de cette préservation, les centres culturels. Au Fono, depuis 18 ans, plusieurs fois par semaine, on peut y apprendre les rudiments du folklore. Ou comme ce soir, s'y perfectionner. Très bien. Je note qu'il y a de très bons joueurs dans cette équipe. Mais le cours n'est pas fini. Allez, on continue. Le professeur, c'est Ichvan. Pas encore 30 ans, mais déjà une référence en matière de danse traditionnelle. J'aime bien le caractère de cette danse. Il faut parfois être dur et viril. Il faut être fort, mais en même temps, être doux et léger. Un peu comme dans le quotidien. Il faut savoir dire oui ou non, taper du pied, s'affirmer, mais en même temps, il faut parfois être délicat. La danse prend beaucoup de place dans la vie d'Ichvan, et encore plus dans ses armoires. Il possède plusieurs paires de bottes, 6 pantalons traditionnels, 6 gilets, une dizaine de chapeaux. Des tenues récupérées aux quatre coins de la Hongrie. Ce gilet, je l'ai acheté chez le dernier fourreur de Gimesh. C'était son propre gilet. Je l'ai acheté après sa mort. Aujourd'hui, on n'en fabrique plus. Il a environ 100 ans. Une partie est faite en mouton blanc, l'autre en mouton noir. C'est un peu le yin et le yang de Gimesh. Ah,
Petite révision avant le spectacle. Pendant longtemps, pour Ichvan, la danse n'était qu'un loisir. Il était évident pour moi et pour mes parents qu'en Hongrie, on ne peut pas vivre de la danse. J'ai essayé de faire un travail normal. J'ai essayé de mémoriser des paragraphes de droit, mais j'ai échoué et la danse m'a rattrapé. Ce que j'aimais le plus dans la vie est devenu mon gagne-pain. Le 15 mars, c'est la fête nationale en Hongrie. Et il n'y a pas de bonne fête sans danseurs. Salut Kata. Salut. Ichvan retrouve sa partenaire habituelle, Kata. Pour elle aussi, le costume, c'est du sérieux. Il y a ça, mon tablier. Ensuite, la jupe du dessus, une jupe en dessous, ça, qui est en deux parties, et un jupon. Mais ça ne me gêne pas, au contraire, parce que si tu danses avec un garçon, ça fait du bien de sentir tout le poids de cette tenue. Et quand tu tournes, ça fait aussi du bien d'avoir ce poids qui te maintient au sol. Surtout si tu danses avec un garçon qui te fait tourner très vite. En ce jour particulier, Ichvan met la dernière touche à son costume. C'est un danseur patriote. C'est très important pour moi. Même si je danse avant tout pour le plaisir, pour la joie que cela me procure, je ne peux pas nier que c'est aussi une façon de préserver notre identité. Nous sommes un petit pays, nous ne sommes pas une grande puissance économique, mais je pense que nous avons une grande culture qui nous permet d'être reconnus par les autres pays. Tu es en train de prendre un petit bain de soleil. Oui, c'est agréable. Là. Il fait très beau aujourd'hui, c'est très agréable. C'est assez compliqué de venir dans cette partie de Budapest. On est assez loin du centre-ville, là. C'est pas simple. Non, pour les enfants, il y a des parents comme nous qui font le taxi. Parce que tu travailles où, toi? Je suis professeure de français. D'accord. Ah, donc une Hongroise professeure de français. Ben, c'est une longue histoire. Ça a commencé au lycée. Je ne pouvais pas intégrer une classe de latin et on m'a proposé le français. Et j'avais un professeur extraordinaire, donc elle nous a fait passer Le Petit Prince. Ben, je suis tombée sous le charme de la langue française. D'accord, et puis de la voix de Gérard Philippe. Et c'était tellement magique que ça m'a transportée jusqu'à la France. L'amour de la langue française t'a emmenée en France et t'as finalement... Cette musicalité, cette légèreté de la langue, la joie de vivre. J'y suis restée 10 ans. Ouais, et j'ai trouvé mon mari. Ah, donc la langue française t'a tout donné. m'a donné le travail, le couple, l'amour, les enfants, la famille, tout. Bonjour. Je t'embrasse. Donc toi, c'est Isabella. Oui. Ça va? Oui. Vous êtes combien d'élèves ici? À peu près 700. Ah, c'est le fiston qui arrive? Ouais. Oula, oui, il a pas de cheveux. Salut Mathieu. Bonjour, Mathieu là-bas. Jérôme. Enchanté. Ouais, t'as... Ah oui, c'est un grand gaillard costaud là. J'essaye de me tenir en forme. Apparemment, tu es très doué dans ta discipline sportive qui est le tir à l'arc à cheval. Oui, ça commence à se répandre, mais c'est pas vraiment ça. Donc ils sont tous rasés comme toi pour faire du... Non. Ça, c'est un petit choix personnel. Et dans le lycée, vous êtes nombreux à le faire? Ah non, je suis seul. Ah, t'es le seul? Ah, je suis seul. D'accord. Bon, on y va. Donc, tous les jours, tu viens chercher, tu emmènes les enfants? Tous les jours, mais c'est un choix qu'on assume parce qu'on est vraiment très content que les enfants soient ici au lycée français. Et ils sont, c'est ta vie? J'adore. Ouais.
Alors ta culture, elle est plutôt hongroise ou elle est plutôt française? Tournée vers la France. Ouais. L'hongrois, je le laisse un petit peu de côté. Mais c'est vrai que je dois réfléchir à ce que je vais dire, comment formuler la phrase, ne pas faire vraiment d'erreur. C'est un mélange entre l'hongrois et le français, 50-50. Et Isabella, toi? Oui, moi, c'est plutôt 70 hongrois. Ah ouais? Oui, c'est encore ma petite. C'est la fifi à sa maman. Oui. C'est bien, bravo. Jérôme? Jean, donc tu es le mari de Fabien. Merci de nous accueillir. Suzy, tu restes dehors, hein. Ah, c'est qu'il y a d'autres pensionnaires. C'est l'arche de Noé, hein, sauf dinosaure. Hein. Donc, très bien. Et Gérard? C'est le seul que j'avais jamais vu. Mathieu? Ah, je vois déjà, trône toutes tes médailles quelques de champion. Voilà. Et comment est venue cette passion là, pour le cheval et l'équitation? J'ai découvert par ce livre, Le Tirac sur cheval, et j'ai eu un coup de foot de suite, et depuis c'est ma passion, je ne fais que ça. D'accord. C'est Koch et Loyosh qui fait renaître ces disciplines. D'accord, donc, c'est la référence, c'est le Zidane. C'est quoi. La référence à ce sport-là. D'accord, voilà. C'est une discipline qui a combien d'années d'existence? Aux alentours de 20 ans, à mon avis. Ouais, d'accord. Ah ouais. Bon, bah, une famille douée apparemment avec les chevaux. Hein? Ça, c'est peut-être que c'est le hasard, hein, ouais. Mais chez nous, le principe était un enfant sans sport, ça n'existe pas. Mmh. C'est épanouissant a priori. Exactement. Et puis tu dois être contente que ton fils fasse une discipline hongroise. Alors, maman, elle est mais contente. Hein. Juste même si la langue hongroise elle est un ouais. petit peu saccadée, on va dire, ouais. C'est vrai qu'il retrouve quand même ses racines ouais. Dans ses disciplines. Ouais. Alors, c'est juste une petite collation, ouais. Les fameuses saucisses hongroises avec ouais. un petit riz soufflé, okay. Avec de la confiture aussi, quatre maisons. Et la baguette. Voilà. Là, il lui dit appuie-toi sur tes propres ressentis. C'est lui qui doit vraiment développer une sensation et du cheval et du rythme. Et l'arc ne doit pas être devant le visage. Donc tout un travail à l'arrière. Le bassin, en fait, doit être libéré. Il doit suivre le mouvement du cheval. Le but est de mettre le maximum de flèches dans la cible sur un tour. Exactement. C'est un sport qui donne énormément à l'enfant pour sa vie future. Déjà, la rigueur, on la comprend, elle est évidente, mais il y a surtout une concentration, une maîtrise de soi, un lâcher prise aussi, j'imagine. C'est tout ça, c'est des choses qui servent dans la vie de tous les jours. Exactement. Bravo Mathieu. Hein. Bien sûr. Hein. Bien sûr. À quelques kilomètres de là, une drôle de troupe débute sa journée de travail. Taille 36? Oui, c'est ça. Et le chapeau? Le chapeau, c'est 55. Il est 7h30. Dans le calme, chacun récupère l'uniforme réglementaire. Tiens, vas-y, tu peux y aller. Non, c'est par là. Pour les habitués, enfiler la tenue de travail est un jeu d'enfant. Mais pour certains, faire son nœud de cravate est la première épreuve de la journée. Heureusement, ici, l'entraide est une valeur forte. À première vue, on pourrait penser à une troupe scout. Solidarité, discipline, lever des couleurs, hymne, tout est là. Mais ces enfants ne sont pas là pour s'amuser, c'est l'heure d'embaucher. Chef de gare, je vous salue, je suis Carnicher Béatrix, je suis ici avec mes 5 compagnons pour vous servir.
Merci beaucoup. Ce petit groupe est en charge de la station de Virag-Volgi, dans la forêt de Bouda. Aujourd'hui, Béatrix est chef de gare. C'est la gare de Chezeni qui m'a appelé pour me dire que le train partait. Comme ça, je sais à quelle heure il passera ici. Cela fait un an et demi qu'elle est à la compagnie. Elle connaît la procédure sur le bout des doigts. Bonjour, madame la chef de gare. Je vous appelle pour vous dire que le train 137 va quitter la gare à 10h13. Merci, au revoir. Tous les postes d'une gare classique sont occupés. Mais les petits cheminots ne se contentent pas des tâches administratives. À 10h40 précise, Tamash se dirige seul vers l'aiguillage. N'allez pas croire qu'à leur âge, ces enfants jouent toujours au petit train. Le train dont ils s'occupent n'a rien d'une maquette. Ce drôle d'engin, c'est le train des enfants, un petit train touristique d'une quinzaine de kilomètres sur les collines de Bouda. À bord, un seul adulte, le conducteur. Même s'il prend son poste très au sérieux, le contrôleur, lui, n'a que 12 ans. Bonjour, vos billets, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon voyage. Mon histoire a commencé quand j'étais petit. Un jour, j'ai pris ce train et ça m'a beaucoup plu de voir que c'était des enfants qui assuraient le service. Et je me suis dit que moi aussi, je le ferais un jour. Depuis que je suis petit, j'aime les voitures, les bus, les trains. Ça me plaît beaucoup. Du coup, travailler dans un vrai train, j'adore. Ce train, c'est l'un des seuls vestiges de la Hongrie communiste. À l'époque, c'était les pionniers, le mouvement de jeunesse du parti qui s'en occupait. On y célébrait le travail, la discipline et le progrès. Le train est aujourd'hui apolitique, mais les enfants sont restés maîtres à bord. Pour intégrer la compagnie, il faut avoir de bons résultats scolaires et suivre une formation. Après le nœud de cravate, Marcio poursuit son apprentissage. Le train va bientôt partir. On doit contrôler l'aiguillage. Est-ce que tu peux faire un essai? C'est pas compliqué, mais il faut bien comprendre. Si là je fais quelque chose de mal, alors ça va être très 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 grave. Et à cause de ça, je réfléchis beaucoup et ça me donne une envie que je suis un grand garçon. Au temps du communisme, le train des pionniers était un tremplin pour ensuite faire carrière dans les réseaux ferrés hongrois. Aujourd'hui, pour ces enfants, c'est avant tout la possibilité de faire partie d'une incroyable aventure. Cette voiture quand même. Comment elle est venue cette idée de proposer des balades aux touristes en Trabant? Ça date de 2006, avec un groupe de jeunes plein d'idées. Ils étaient tous passionnés et fans de vieilles voitures extravagantes. Trabant veut dire accompagnateur. Partenaire de voyage, c'est la signification exacte. Okay.
Donc c'est comme un ami. Un ami qui ne te laissera jamais tomber, peu importe ce qu'il arrive. Malgré que la Trabant soit toute petite et l'air peu sûr, elle tombe rarement en panne. C'est une légende. Énormément d'Hongrois en avaient une pendant l'ère communiste. Elle est très populaire, tout le monde la connaît. Ce qui est chouette, c'est d'avoir réinventé un petit peu son utilité à travers maintenant une activité touristique. Ouais, venir à Budapest et découvrir la ville d'une façon différente. D'accord. C'est toujours par là, hein? Pour la synagogue, c'est par là? Oui. Et attention, c'est parti. C'est parti, la quatrième. Tu as envie de sensation, hein? Tu as envie de sensation, hein? Et maintenant, le freinage, parce que... Freinage dangereux. Ce qu'il y a de bien avec ces voitures, c'est que ça va pas très vite. Merci beaucoup. De rien. Bon, moi, je vais rejoindre mon camarade Peter. Salut Judith, merci encore. Tu prends le soleil, Peter? Salut. Ouais, ouais. Ça va? Ouais, ça va, toi? Super bien, super bien. Je vais me faire déposer avec une vieille Trabant, là. Ah. Exceptionnel, c'était super. C'est bien, c'est bien. Ouais. Chaque famille hongroise avait une Trabant. Donc ça, c'est la fameuse synagogue? Ah oui, c'est ça. C'est la fameuse synagogue, la plus grande synagogue du quartier juif. Hein. La plus grande en Europe et la deuxième plus grande au monde entier. C'est un peu la mixité de l'oriental, du juif et du catholique. Il y a deux tours, par exemple, ça ressemble à une église catholique. Comme les cathédrales, tu veux dire? Voilà. Les deux flèches, on peut, ouais, on pourrait dire que c'est une, ouais, une cathédrale juive. C'est ce qui est troublant. J'ai l'impression que d'être un peu face à une mosquée, d'une certaine manière. C'est assez troublant quand même. Oui, t'as raison. C'est un peu par hasard, parce que ça vient, les deux religions viennent du même territoire, du Proche-Orient. Ma pote? Oui, c'est... Tu vois, c'est la grande nef. Ouais. Comme... Mais on dirait une église un petit peu, parce qu'habituellement, dans la synagogue, au centre, il y a la table où on lit la Torah, et la table de lecture, et là, c'est pas au centre. Ouais. Alors, c'est au fond, comme un hôtel d'église. Pour quelle raison? Alors, c'est comme ça l'architecture ici. À l'époque, cette communauté juive était la plus riche, la plus progressiste de Budapest, et ils ont eu l'idée de construire une synagogue, mais qui ressemble un peu à la société majoritaire. D'accord, les catholiques étaient majoritaires. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc même à l'époque, 70% étaient catholiques. Donc ce choix d'architecture, c'était pourquoi? Pour mieux se fondre dans la société hongroise de l'époque? Oui, c'est ça, et s'éloigner un peu de l'orthodoxe juif orthodoxe. Vous n'avez jamais vu une synagogue aussi synagogue jolie? Comme ça. Ah oui, vraiment. C'est unique. C'est unique grâce à l'architecture, grâce à sa pleine fonction au 19e siècle, même au début du 20e siècle, quand il y avait encore beaucoup de juifs à Budapest. Ouais. Et même aujourd'hui, la communauté juive, c'est la deuxième plus grande en Europe, après la parisienne. Bah imagine, à l'époque, quand Budapest ne comptait qu'un million d'habitants et 250 000 étaient juifs. Donc c'est 25% de la population, c'est beaucoup. Hein. On ira faire un petit tour dans le quartier après? Oui, bien sûr, d'accord. Bien sûr. Okay. Avec plaisir. Là, Jérôme, c'est le bar Simpla, le premier ruinpub de Budapest. C'est les maisons abandonnées et où ils ont réinstallé des différents établissements. Le concept et le principe, c'est de mettre de nouveaux convivialités, un peu de vie, dans ces maisons d'abandon. D'accord. Donc ça peut être beaucoup de choses, bien sûr. Okay, des cafés, des cinémas. Bon, en général, ces ruinpubs sont des bars, des cafés, des boîtes de nuit. Comment on dit des... Ah, j'ai du mal à retenir. Hein. Agéché, Gadre. Agéché, ça ira? Oui, on peut dire oui. Agéché, ça m'arrange. Agéché. À ta santé. Santé. Merci à toi. C'est cool, Peter. Je ne me lasse pas de cette vue incroyable sur le Parlement.
J'ai envie de dire hongrois rêvé tellement c'est beau. Et j'en profite puisque c'est ma dernière soirée à Budapest. Je vais me rendre ensuite dans la campagne hongroise en pleine nature pour terminer mon voyage. Mais avant cela, je vous propose de prendre la route de l'Ouest américain pour retrouver le réalisateur Mathieu Despiau qui va boucler son road trip de près de 6000 km. C'est son rêve américain à lui. Et il termine son périple en rejoignant les sommets de l'Utah où il va rencontrer un funambule de l'extrême. Et ensuite, ce sera dans le désert, dans une station de recherche qu'il va rencontrer les pionniers des prochaines explorations spatiales. Vous avez forcément comme moi dans votre imaginaire des paysages grandioses de l'Ouest américain. Cette terre a toujours attiré des pionniers et des rêveurs en quête d'espace, de fortune et de liberté. À moi l'Ouest américain, à moi la route des grands espaces. Cette route de légende, d'asphalte et de poussière, je m'en vais l'arpenter sur 6000 km. Sur terre ou dans les airs, je partirai en quête des plus beaux paysages et des merveilles de l'Ouest. J'emprunterai tous les chemins. Et je tenterai de comprendre au cœur des ranchs ou des canyons pourquoi les hommes portent tant de l'envie d'aller toujours plus loin et toujours plus haut. Sur cette route de l'Ouest, je m'en vais moi aussi réaliser mon rêve américain. Et je fais un pari. Je ne rentrerai qu'après avoir réalisé l'impossible. J'ai entendu parler de Lake Powell, une retenue d'eau gigantesque qui emprisonne des canyons et des fjords lunaires sur la rivière du Colorado. Des dizaines d'hommes se sont déjà perdus dans ce labyrinthe de plusieurs centaines de kilomètres. Mais j'ai quand même envie d'aller voir. Me voici enfin à Page, la porte d'entrée du lac. Ici, j'ai rendez-vous avec Clint, un aventurier, qui va tenter de me conduire au cœur des canyons. J'espère ne pas m'y perdre. Nous sommes sur le lac Powell, dans l'enceinte du parc de Glen Canyon, au nord de l'Arizona et au sud de l'Utah. On va aller faire du kayak et du bateau dans l'un des trésors cachés de l'Ouest. On va se déplacer sur le lac en remontant le courant du Colorado. La rivière fait plus de 45 mètres de profondeur. C'est très profond. Nous sommes ici à Antelope Point. Nous allons à Padre Bay et à Labyrinth Canyon. Des canyons comme ça, il y en a 96. Ça fait 180 miles de long, à peu près 220 km. Avec ses dimensions hors normes, Lake Powell n'est pas un lac comme les autres. C'est l'œuvre de l'être humain qui, en 1963, a décidé d'emprisonner une partie de la rivière du Colorado pour alimenter en électricité les états de l'ouest du pays. On dit que ce lac immense, la deuxième plus grande retenue d'eau des États-Unis, aurait mis 17 longues années à se remplir. On appelle ça la roche de sable des Navajos. Elle date de 180 millions d'années. Ça remonte aux dinosaures. Et ce que l'on voit, ce sont des dunes de sable. Les différentes couches se sont superposées les unes sur les autres et se sont sédimentées. Ce désert était plus grand que celui de Gobi ou du Sahara. C'est le paradis des explorateurs ici. Oui, c'est un paradis pour explorateurs, pour les familles, pour tous ceux qui veulent s'échapper et se sentir seuls. Il y a tellement d'espace ici que l'on peut s'y perdre. C'est un vrai labyrinthe? Oui, c'est un labyrinthe. Il n'y a aucun repère, aucune trace pour vous indiquer où aller. C'est à toi de décider pour voir jusqu'à quelle profondeur tu veux t'enfoncer. Il n'y a pas de limite. On peut même aller marcher après avoir navigué en kayak.
Les activités qu'on peut pratiquer ici sont illimitées. Je ne m'arrêterai jamais d'explorer. J'ai aujourd'hui 28 ans et j'espère continuer jusqu'à l'âge de 88 ans. Et tu crois qu'une vie pourrait suffire pour tout explorer ? Non, non, je ne le crois pas. Peut-être que si j'avais deux vies, je pourrais explorer le lac dans ses moindres recoins. Peut-être. J'ai réussi avec Clint à trouver la sortie du labyrinthe. Il m'a donné envie de repousser toutes les limites. Sur les eaux, sur le bitume, dans les airs, à quoi ressemblera la fin de ma route? Je file vers l'Utah, une région truffée de nouveaux hors-la-loi, capable de prendre tous les risques pour défier cette roche rouge et or qui colore ma route depuis le début. Me voici enfin à Moab, dans l'Utah. 1600 mètres d'altitude, un air froid et sec, et le parfum d'une petite ville de montagne. Qu'est-ce que je vous sers ? J'aimerais un espresso, s'il vous plaît. Je suis à la recherche d'alpinistes. Il y en a partout. Tu ne vas pas avoir à chercher très loin. Je file vers les sommets, et voilà ce que je découvre. De nouveaux paysages, des arches en pierre, sculptées par le temps. Et sur leur crête, des silhouettes. Je ne suis pas au bout de mes surprises. Tu veux qu'on aille jusqu'au sommet ? C'est la Mecque de l'escalade ici. Les gens viennent du monde entier pour grimper ces rochers. Je mets enfin la main sur Larry Harp, un adolescent de 46 ans qui a passé sa vie accroché à un fil. L'homme n'a peur de rien. Il a défié les plus hauts sommets d'Amérique et a fini par poser ses cordes ici. C'est génial. Ce rappel, chaque fois que je descends, ça coupe le souffle. Tu pars d'un petit trou et tu te retrouves d'un coup dans l'immensité. Pendu à ta corde, c'est très excitant. Je pars avec Larry. À mon avis, il est capable de tenter l'impossible. Une heure à rouler dans les montagnes et il décide de se garer. Fini l'asphalte. Terminer la voiture. Là, ça sent vraiment la fin de la route. Aujourd'hui, mec, je vais te faire voir mon spot secret. C'est génial, l'un des endroits que je préfère dans le désert. T'es prêt? Pourquoi es-tu habité par cet esprit d'aventure? Ça te vient d'où? Qui sait? J'ai ça en moi depuis que je suis gamin. J'ai toujours eu envie de grimper dans les arbres. J'ai toujours voulu faire le mur pour explorer le voisinage. J'ai toujours eu ça dans mon sang. Je ne sais pas d'où ça vient. Le voilà. C'est ça ton terrain de jeu? Ouais, c'est là que je m'amuse. Avec la montagne LaSalle, juste derrière. Mais c'est fou. C'est juste amusant. Tu dois essayer de ne penser à rien et d'évacuer les mauvaises ondes. Tu écoutes ta respiration. C'est ce que je fais. Je respire en rythme. Et souvent, je compte. Je laisse mon cerveau se concentrer sur ce que je fais en essayant de ne vivre que dans l'instant.
Souvent, quand tu marches sur un fil et que tu te retrouves au-dessus du vide, tu ressens une grosse décharge d'adrénaline. Mais ce n'est pas ce que tu veux. Tu veux être calme et tranquille. Il faut faire quelques traversées, puis évacuer cette adrénaline pour mieux te concentrer et mieux te maîtriser. Marcher sur un fil, ça ne pose pas de problème. Mais marcher dans le vide, ton instinct te le déconseille. Le plus dur, c'est ça, de te convaincre de marcher au milieu de nulle part. C'est comme marcher dans le ciel. Je ne considérerais pas tout à fait cela comme voler. C'est comme être dans les airs, au milieu de nulle part, avec les pieds qui te maintiennent en équilibre. Marcher dans le vide comme Larry. Et si ce n'était qu'un signe, m'indiquant que cette route du rêve américain pourrait être sans fin. Si j'avais le choix, justement, quelle en serait la fin? Au cœur de cette terre qui lorgne vers les étoiles, dans ce pays où les hommes ont mis le pied sur la lune, le rêve que nous réaliserons tous demain, il ressemblera peut-être à ça. Bonjour, bienvenue dans notre station. Ok, je crois qu'on arrive au bout de la récompression. Si vous êtes prêts, j'ouvre la porte et vous pourrez rentrer. Salut, bienvenue. Je suis le commandant Suzanne Jewell, équipage 158. Enchantée. Ça m'a pris du temps pour rejoindre la station Mars. Je sais. Allez, entrez. Nous sommes sur la planète Mars. On est sur Mars, ou plutôt sur une simulation de Mars. C'est la station de recherche de la planète Mars et nous sommes des apprentis astronautes. Les apprentis astronautes simulent le fait de vivre sur une autre planète. Et dans ce cas, il s'agit de Mars. Ici, la géologie du désert de l'Utah est similaire à ce que l'on peut trouver sur Mars. Vous pourrez vous en rendre compte en sortant avec l'équipage. On essaie de voir comment serait la vie pour les humains le jour où ils vivront sur Mars et dans un espace confiné comme une capsule. C'est ce que devront vivre les premiers pionniers et c'est ce qu'on essaie de faire ici. Ok, tout est prêt. Vous avez vos gants, vos radios. On est prêt. Entrez dans le sas pour la décompression. Merci. Ici l'équipage, on ouvre le sas. Vous croyez profondément que les hommes seront toujours des pionniers? Depuis la nuit des temps, l'humanité et l'espèce humaine ont toujours exploré. C'est quelque chose que nous avons tous en nous. La curiosité pour l'inconnu. Nous sommes des pionniers, des aventuriers. Nous avons ça dans les gènes. Nous sommes curieux. Vous rêvez d'aller sur Mars? Oui, je veux aller sur Mars. Si j'avais le choix d'être sélectionnée pour aller sur Mars, je serais la première, prête à embarquer. Et je dirais d'accord, allons sur Mars.
La voilà la fin de ma route, aux côtés de ces hommes qui rêvent de s'envoler pour la planète Mars. Les premiers pionniers au 19e siècle ont tout quitté, leur famille et leurs racines, pour conquérir l'Ouest américain. Demain, ils partiront sur Mars, coloniser un nouveau monde. Je partirai peut-être un jour sur leurs traces. Plus d'asphalte, d'eau ou de poussière. Je quitterai l'atmosphère pour aller découvrir notre système solaire. Salut Jérôme. Yona pote, Michi, ça va? Très bien. Bonjour. Bienvenue en Hongrie, le voyage s'est bien passé? Oui, j'ai hâte de terminer dans mon échappée verte maintenant, ici, dans la campagne, avec toi, avec la famille. Laisse-moi te présenter à ma famille, puis je te ferai découvrir les alentours. Ça marche? Toi, Michi, tu es né ici, dans cette région, à la campagne? Non, je ne suis pas d'ici. Nous vivions à Budapest et nous voulions juste changer d'air et trouver un endroit plus en harmonie avec la nature. Avec ma femme, nous avons cherché cet endroit d'un coin du pays à l'autre pendant plusieurs années, sans succès. Et finalement, juste après notre lune de miel, nous l'avons trouvé. Pour être plus exact, nous avons l'habitude de dire avec mon épouse que c'est cet endroit qui nous a trouvé. Et nous en sommes juste les gardiens. Je suis sûr que tu vas aimer. C'est vraiment un endroit spécial. Il est très grand ce lac, je ne m'attendais pas à voir un lac si imposant. C'est le deuxième plus grand lac de Hongrie, tellement grand qu'on pourrait le comparer à une mer intérieure. D'accord, donc tous les Budapestois le week-end viennent ici un peu prendre l'air et se mettre au bord du lac. C'est très proche de Budapest, à moins d'une heure. Les gens aiment se retrouver ici pour se détendre et prendre un bain dans le lac avant de retourner à Budapest. La pote. Jérôme, on s'embrasse. Enchantée. Ça va, Vali? Oui. Bien. C'est un endroit exceptionnel. J'adore ces petites chaumières. C'est vraiment très typique de la région ou même de la Hongrie rurale. Oui, il y a un grand nombre de petites maisons de ce genre dans la banlieue de Budapest et à la campagne. Et les citadins y viennent essentiellement pour s'y reposer le week-end avant de retourner en ville. Ce que tu peux voir dans ce village est traditionnel. Par exemple, l'architecture que l'on y trouve. D'accord. Tu vas rester dans ce cottage. Je te laisse avec mon épouse qui va te faire visiter. D'accord. Ah, j'adore. Okay. Je mets tes affaires ici. Mes affaires, oui. On a déjà allumé la cheminée pour toi car il fait encore un peu froid. Céramique et tout. Oui, c'est traditionnel. Ça a dû être un incroyable changement de vie pour vous. Venir à la campagne, être à la ville, changer de métier, ça a été un bouleversement incroyable, j'imagine.
Oui, c'était notre rêve. C'est un grand changement, c'est vrai. Beaucoup de challenges et de nouvelles choses à apprendre auxquelles on s'adapte encore. Oui, bien sûr. Mes grands-parents y ont habité. Nous avons plein de bons souvenirs. Et c'est aussi pour ça que nous avons voulu venir y vivre et y construire notre propre vie de famille. J'ai apporté deux pelles car j'ai besoin de ton aide. Je suis assorti comme ça, c'est pas vrai. Et maintenant, nous allons planter un noyer. Donc quand tu reviendras, et j'espère que tu reviendras, tu auras ton espace à toi avec un noyer de plus en plus grand. Pardon. Donc là, c'est ta noyeraie. Il y a combien d'arbres au total ici sur le terrain? Nous avons 220 arbres actuellement. Et nous allons en planter 70 de plus. Quand ils auront une dizaine d'années, ils nous donneront des noix exquises. On en plante un pour chacun de nos enfants et pour chacun de nos invités. C'est une sorte de hobby de planter des arbres. Oui, vraiment? Ah oui, d'accord. Je suis honoré, d'accord, très bien. Dis-moi, Michi, quand tu es arrivé ici, tu n'y connaissais rien à la culture des noyers. Tu as le sentiment que ça a redonné un nouveau sens à ta vie, comme une espèce de renaissance? Oui, c'est une manière totalement différente de vivre. J'essaie aussi de faire comprendre à nos enfants pourquoi nous plantons tous ces arbres. J'espère que quand ils seront adultes, ils se souviendront de cet enseignement et qu'à leur tour, ils s'occuperont des arbres. C'est cet amour de la nature que je souhaite vraiment leur transmettre. Bravo. Des belles valeurs très jeunes, c'est très bien ça. Jérôme, tu peux mettre ça sur ton arbre. Excellent. Merci, merci à toi. Il y a peu de temps, dans un de mes voyages, j'ai coupé un arbre dans une forêt et je ne l'ai pas très bien vécu. Là, j'ai l'impression de me rattraper un peu. Oui, c'est sûr, c'est une étape bien différente pour toi aujourd'hui. C'est un alcool de noix? On le fabrique. C'est une boisson traditionnelle. Tu sais ce qu'on dit en hongrois? J'ai pas retenu Agé. Agé, c'est ça. Santé. À la tienne. Dans la région de Tokaj, à l'est du pays, on attend avec impatience l'arrivée du printemps. Dès ses premiers signes, l'activité reprend dans les vignes. Ça, je vais l'enlever. Ok, ça va lui faire du bien. Ces cèpes ont 65 ans. Il faut les traiter avec respect. La taille, c'est très intéressant parce qu'on détermine tout. La production, le raisin, la qualité du raisin, combien grappe, et bien sûr, comme une ancienne cèpe comme ça, il faut toujours renouveler. T'es d'accord avec ça? Il faut en prendre soin. Oui, oui. Pendant la taille, je parle avec la vigne. András Bakcsó est un passionné. Il est œnologue pour l'un des plus grands domaines de la région. Les pousses arrivent comme ça et le soleil adore la vigne pendant la journée, toute la journée, de l'est jusqu'à l'ouest. Le vin de Tokaj est le plus connu des vins hongrois. Sur ces parcelles, depuis le Moyen-Âge, on produit un hectare de légende. La région compte 5500 hectares de vignes, des champs à perte de vue. Sous ces collines se cache l'un des secrets du vin de Tokaj, un véritable labyrinthe. Des dizaines et des dizaines de tunnels. Au total, 60 km de galeries souterraines. Dans les caves du domaine Oremus, András veille sur le destin de dizaines de milliers de bouteilles. Ce que nous savons bien, qu'on a commencé à creuser vers 14e, 15e siècle, et petit à petit, on a grandi ces caves.
Nous avons quelques notes que au XVIIIe siècle, ces caves, ces labyrinthes existaient et fonctionnaient pour élever le vin. Voilà. C'est le millésime 2014. Le Tokaj, c'est un miracle de la nature. Un vin liquoreux qui s'obtient quand le raisin est attaqué par un champignon. Ses grains se dessèchent, pourrissent, mais ses arômes se concentrent. Et bien sûr, ce millésime, on va présenter sur le marché à peu près autour de 2020, par avant. Pour que son goût s'affine, ici on prend son temps. Les caves de Tokaj, c'est une plongée dans le passé. À la région, nous disons, c'est un petit musée où nous pouvons remonter jusqu'à 1912-1924. C'est une collection, c'est un trésor. Témoin du temps qui passe, les bouteilles sont peu à peu rhabillées par un curieux champignon qui n'altère pourtant en rien le goût du précieux breuvage. Et c'est la tranquillité, c'est le temps quand le goût de vin s'améliore ici lentement dans les bouteilles. Les viticulteurs de la région aiment à rappeler que l'un de leurs plus célèbres consommateurs était Louis XIV. Dès le XVIIe siècle, le roi Soleil qualifiait d'ailleurs le Tokaj de vin des rois et de roi des vins. Vous avez aussi des taxis dans le village? Hello. Tu vois, ça, c'est notre église. C'est une église réformiste. C'est aussi une partie importante de notre vie. Nous venons tous les dimanches et cela permet de nous réunir avec toute la communauté. J'ai vu qu'il y en avait une autre là-bas. Oui, c'est l'église catholique. Coucou. Il y en a pas, Jérôme. Ouais. Et you. Ouais. À la une, à la deux. Hop. À la trois. T'as une bonne bouille, toi. Go. Allez, tout le monde à l'eau. Yeah, this is a dog. Why not? Bonjour, allô, Tibor. Tibor, d'accord. Si tu veux faire venir le poisson, il faut chanter une petite chanson. Alors, le poisson, il est là ou pas? Allez, on mouline! Allez! J'ai une meilleure solution. Tibor, tu vas prendre ton arc, moi je vais mettre tous les morceaux, et tu vas lâcher la flèche et on va faire une brochette. C'est ça, oui. Et après, on brûle ma flèche. En tout cas,
cas, moi, la Hongrie, honnêtement, j'avais pas vraiment de représentation de ce pays, pas vraiment d'a priori non plus. Et j'ai eu des belles surprises. J'ai passé vraiment de très bons moments, et avec vous particulièrement. Et puis, bah, voilà, le patrimoine est aussi très impressionnant. Budapest, notamment, que vous connaissez bien. Okay. Bye bye! Okay. On dit au revoir! C'est terminé pour moi! Okay. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Et comme on dit en Hongrie, Vislar, mais pas Vislar, Viskrat? Vislat. Vislat, c'est exactement ce que je viens de dire. Bye bye!